Bonjour, cette leçon porte sur la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que la TVA? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une taxe que le client paye à son fournisseur sur ses factures. Nous allons voir dans un premier temps comment calculer la taxe. Nous verrons ensuite quel est le principe fiscal. Et enfin, pour terminer, nous prendrons trois exemples pour expliquer comment s'enregistre cette TVA dans les comptes de l'entreprise. Donc, commençons par regarder comment se calcule la TVA. Eh bien, la formule de base est la suivante. La TVA est égale au montant hors taxe de la facture multiplié par un taux de TVA. Alors, le montant hors taxe, il s'agit en fait du montant obtenu après les éventuelles réductions accordées sur la facture, rabais, remises, ristournes ou escompte. Le taux de TVA dépend du produit acheté. Il existe en fait trois taux de TVA en vigueur en France métropolitaine. Donc le premier est le taux de 2,1% qui concerne relativement peu de produits, essentiellement la presse, les médicaments remboursables par la sécurité sociale et la redevance télé. Il y a ensuite le taux réduit à 5,5% qui concerne l'ensemble des consommations dites populaires, c'est-à-dire les produits auxquels tout un chacun doit pouvoir avoir accès, notamment les produits alimentaires de base, les repas des cantines, les transports de voyageurs, les entrées au spectacle et dans les musées. Enfin, le taux dit normal, qui est à 19,6% et qui concerne toutes les opérations pour lesquelles aucun autre taux ne s'applique. Donc cette formule constituera pour nous, pour la suite du cours, la formule numéro 1. Une fois la TVA calculée, nous pouvons en déduire le montant payé par le client, qui est le montant TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Donc ce montant TTC s'obtient très facilement par addition du montant hors taxe et du montant de la TVA. Donc ceci constituera pour nous la formule numéro 2. De cette formule, nous allons en déduire une troisième. En effet, si dans cette formule nous remplaçons la TVA par la formule numéro 1, nous obtenons TTC égale hors taxe plus hors taxe multiplié par le taux de TVA. Nous pouvons alors mettre le montant hors taxe en facteur, ce qui nous donne TTC est égal hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Cette formule constituera pour nous la formule numéro 3. Alors, ces trois formules sont les seules formules que l'on peut utiliser pour faire nos calculs de TVA. Si on applique une autre formule, on peut être certain que l'on fait une erreur. Alors, pour l'illustrer, nous allons prendre deux exemples. Premier exemple. Nous allons supposer qu'un bien coûte 1000 euros hors taxe avec une TVA au taux de 5,5%. Et nous allons essayer de retrouver son montant TTC. Alors, première manière de faire, probablement la plus simple, c'est d'appliquer la formule numéro 3 qui nous dit que le montant TTC est égal au hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Ici, le hors taxe est égal à 1000. Et l'on multiplie donc par 1 plus 0,055, puisque 5,5%, c'est 5,5 divisé par 100. Donc ça nous donne 0,055. Donc on obtient directement le montant TTC, 1055 euros. Deuxième manière de faire, à peine plus longue, nous pouvons utiliser la formule numéro 1, qui nous dit que la TVA est égale au hors-taxe, donc ici 1000, multiplié par le taux de TVA. Donc 0,055, nous obtenons une TVA de 55 euros et en appliquant très simplement la formule numéro 2, nous en déduisons que le montant TTC est égal au hors-taxe 1000 plus la TVA 55, c'est-à-dire 1055 euros. Deuxième exemple, nous allons cette fois-ci supposer qu'un bien coûte 1794 euros TTC. Avec une TVA au taux de 19,6%. Et nous allons recalculer le montant de la TVA apparaissant sur la facture. Alors bien évidemment, on ne peut pas prendre le montant TTC et le multiplier par le taux de TVA. Cela ne correspond à aucune des formules citées préalablement. La seule manière de faire est la suivante, c'est de partir de la formule numéro 3 et d'en déduire
que le montant hors taxe est égal au TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Donc en l'appliquant ici à notre exemple, le TTC est égal à 1794 euros divisé par 1 plus le taux de TVA, ce qui nous donne 1500 euros. Une fois que nous avons le montant hors taxe, nous pouvons très facilement en déduire le montant de la TVA en appliquant la deuxième formule qui nous dit que la TVA est égale au TTC moins le hors taxe, donc 1794 moins 1500. Donc notre TVA est égal à 294 euros. Venons-en maintenant au mécanisme fiscal de la TVA. En fonction des cas, notre entreprise sera soit acheteuse, soit vendeuse. Lorsque notre entreprise vend, elle va facturer de la TVA à ses clients. Nous allons appeler cette TVA TVA collectée. Cette TVA que collecte l'entreprise, elle doit la reverser à l'État. Par conséquent, l'entreprise a une dette sur l'État qui, comme toutes les dettes, va s'enregistrer dans un compte de classe 4, puisqu'il s'agit d'une dette à court terme, en l'occurrence le compte 44-571 TVA collectée, et ce sera au crédit, puisqu'il s'agit d'un flux monétaire de sortie. Dans le cas où notre entreprise achète, elle va payer de la TVA à ses fournisseurs. Cette TVA sera qualifiée de TVA déductible, et l'État va la rembourser à l'entreprise. Par conséquent, l'entreprise dispose d'une créance sur l'État qui, selon les opérations, s'enregistrera soit dans le compte 44-562 TVA déductible sur immobilisation s'il s'agit d'un achat de biens durables, ou 44-566 TVA déductible sur autres biens et services dans les autres cas. Dans les deux cas, le montant s'enregistrera au débit du compte puisqu'une créance correspond à un flux monétaire d'entrée. À la fin du mois, l'entreprise va devoir réaliser une déclaration de TVA sur laquelle elle va reporter la TVA collectée et la TVA déductible du mois. Elle fera la soustraction TVA collectée moins TVA déductible et alors deux situations peuvent se rencontrer. Première situation, si le résultat de cette opération donne un chiffre positif. Cela signifie que la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible et par conséquent, l'entreprise a une dette sur l'État. Cette dette devra être payée au début du mois suivant. Elle s'enregistrera au crédit du compte 44-551 TVA à décaisser. Dans le cas inverse, si notre opération TVA collectée moins TVA déductible donne un résultat négatif, cela signifie que l'entreprise a une créance sur l'État. L'État ne va pas lui rembourser immédiatement cette somme, mais cette créance sera reportée en soustraction sur la déclaration du mois suivant. On parle alors de crédit de TVA. Comme il s'agit d'une créance, eh bien cette somme s'enregistrera en comptabilité au débit du compte 44-567 crédit de TVA. Comment s'enregistre très concrètement cette TVA en comptabilité? Nous allons prendre un premier exemple qui est celui d'une vente de produits finis. Donc, nous imaginons que le montant hors taxe de la vente est de 10 000 euros, que le taux de TVA est de 19,6% et que le paiement est fait à crédit. L'analyse de l'opération en termes d'emploi-ressources fait intervenir deux partenaires à notre entreprise qui sont son client et l'État. L'entreprise vend des produits finis d'une valeur de 10 000 euros au client. Le client, lui, doit 11 960 euros, c'est-à-dire le montant TTC, à l'entreprise. L'entreprise dispose donc d'une créance sur son client. Et pour équilibrer l'opération, eh bien, l'entreprise devra restituer les 1 960 euros de TVA à l'État. Cela constitue pour elle une dette sur l'État. Comment cette opération s'enregistrera-t-elle dans les comptes de l'entreprise? Eh bien, la créance, qui est un flux monétaire d'entrée différée court terme, s'enregistrera au débit
compte client 411 pour 11 960 euros. La vente de produits finis, qui pour notre entreprise est un flux physique de sortie, s'enregistrera en classe 7, en l'occurrence 701 vente de produits finis pour 10 000 euros. Et la dette sur l'État, nous l'avons vu précédemment, va s'enregistrer dans le compte 44 571 TVA collectée au crédit pour 1 960 euros. Le principe de la partie double est bien respecté puisque nous avons 11 960 euros qui correspond au montant TTC de l'opération au débit et au crédit nous retrouvons 11 960 euros avec d'un côté le montant hors taxe 10 000 et de l'autre la TVA 1960. Prenons un deuxième exemple où cette fois-ci nous achetons des matières premières. Montant hors taxe 2000 euros, TVA 19,6%, le paiement est fait toujours à crédit. Cette fois-ci, deux partenaires interviennent, le fournisseur de l'entreprise et toujours l'État. Le fournisseur va livrer les matières premières pour une valeur de 2000 euros. Notre entreprise aura une dette sur ce fournisseur pour le montant TTC 2392 euros. Et pour équilibrer l'opération, nous rajoutons un troisième flux qui va de l'État à notre entreprise et qui correspond à la créance qu'a notre entreprise sur l'État puisque ce dernier doit lui rembourser 392 euros de TVA. Comptablement, cette opération s'enregistrera de la manière suivante. L'achat de matières premières, qui est un flux physique d'entrée court terme, s'enregistrera dans un compte de classe 6. 601, achat de matières premières pour 2000 euros au débit. La TVA, qui est une créance à court terme, nous l'avons vu précédemment, s'enregistrera dans le compte 44 566, TVA déductible sur autres biens et services, 392 euros au débit. Et la dette, qui est un flux monétaire de sortie différée court terme, s'enregistrera dans un compte de classe 4, en l'occurrence 401, fournisseur, 2392 euros au crédit. Troisième exemple, prenons le cas de l'acquisition d'une immobilisation, valeur hors taxe 5000 euros, taux de TVA 19,6% et paiement à crédit. L'opération ressemble à l'opération précédente, avec cette fois-ci un fournisseur d'immobilisation qui va livrer à l'entreprise une immobilisation pour une valeur de 5000 euros hors taxe. Notre entreprise a une dette sur le fournisseur pour le montant TTC de la facture, à savoir 5 980 euros. Et pour équilibrer l'opération, l'État va devoir nous rembourser 980 euros de TVA. Dans la comptabilité de l'entreprise, nous aurons l'écriture suivante. L'immobilisation, qui est un compte de classe 2, va s'enregistrer au débit pour 5000 euros. La créance sur l'État, nous l'avons vu précédemment, s'enregistrera dans le compte 44 562 TVA déductible sur immobilisation, 980 euros au débit. Et au crédit, nous constaterons la dette sur le fournisseur d'immobilisation, donc dans le compte 404, fournisseur d'immobilisation, 5 980 euros.